Su Excelencia, el señor Marcos Peña, jefe de gabinete de ministros. Su Excelencia, el señor Jorge Fury, ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Su Excelencia, el señor Andrés Ibarra, ministro de Modernización. Su Eminencia, el Monseñor Emil Paul Cherig, nuncio apostólico. Honorables Vice Premier Minister de Eslovenia, honorables ministers aquí presentes, señor Ulin Zhao, secretary general de la UIT, señor Malcolm Johnson, vice-secretary general de la UIT, señor François Rancy, director de la Oficina de Radiocomunicaciones, señor Chasubli, director de la Oficina de Normalización, demás jefes of delegaciones, representatives of los estados miembros de los miembros del sector del UITD y las instituciones académicas que participan al labores del ITU UITD, otros dignatarios aquí presentes, distinguidos delegados, damas y caballeros. Buenos días a todos ustedes. Buenos días. It is indeed my great pleasure and honor to welcome you all to the World Telecommunication Development Conference, WTDC 17. I would like to thank His Holiness Pope Francis and Mr. Antonio Guterres, the United Nations Secretary General, for their inspiring messages. I would like to express my deepest gratitude to the government and the people of Argentina for the warm and kind hospitality and for the excellent facilities put at our disposal for this conference. Indeed, the first World Telecommunication Development Conference held after the establishment of ITUD took place here in Buenos Aires from 21st to 29th of March 1994. I wonder how many of you in this room were in this conference. Could you please raise your hand, those who were here in 1994? Thank you. Thank you. Thank you very much. Your commitment and your dedication greatly contributed to the success of ITUD. I'm glad that you are here today to celebrate all together the 25th anniversary of ITUD. Distingués délégués, mesdames et messieurs, depuis la création de l'UITD par la conférence des plénipotentiaires additionnels de 1992, le monde a beaucoup changé. Jamais la croissance du secteur des TIC n'a été aussi forte qu'au cours des 25 dernières années. L'apparition de nouvelles technologies a contribué à la croissance économique et a amélioré tous les aspects de la vie quotidienne. Depuis sa création, le secteur du développement de l'UIT appuie les efforts des pays que les pays font pour utiliser les télécommunications et TIC en tant que catalyseur de développement. J'ai notamment fait référence à la fourniture d'une assistance en matière de développement des infrastructures, de renforcement des capacités, de la cybersécurité, des télécommunications d'urgence, d'intégration du principe de l'égalité homme-femme et bien d'autres domaines connexes. Les résultats
obtenus sont très appréciables. Et nous devons continuer à travailler davantage pour que chaque individu sur cette terre puisse pleinement utiliser les potentialités des TIC pour prendre son destin en main et contribuer au développement socio-économique et à la paix dans le monde. Les objectifs de développement durable ODD qui ont été adoptés en 2015 sont une formidable occasion de placer les TIC au centre de la vie des personnes. Les ODD ont élargi nos horizons. Aujourd'hui, il est de notre devoir non seulement de fournir un accès large bande et des services de TIC abordables à tous, mais également de mettre les TIC à la disposition d'autres secteurs économiques tels que la santé, l'éducation, le commerce, pour n'en citer que quelques-uns. Notre action, donc, doit aller au-delà du secteur des TIC pour prendre en compte le nouvel écosystème des TIC. J'ai personnellement la conviction, et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, que ce nouvel écosystème des TIC, il a au cœur les personnes. Le nouvel écosystème des TIC a au cœur les personnes. Il s'agit de 3,9 milliards de personnes qui n'ont pas encore accès à Internet. Il s'agit aussi de nous tous ici dans cette salle et nos familles. Il s'agit enfin de chaque personne dans ce monde, indépendamment de son âge, son sexe, sa race, sa religion, sa nationalité ou son statut économique. Je suis personnellement très fier des réalisations de l'UITD. Grâce à l'engagement des États membres, des membres du secteur de l'UITD, aujourd'hui, l'UITD s'est positionné comme une plateforme robuste et neutre pour favoriser le développement tout en donnant une dimension humaine au TIC. Je voudrais remercier ici M. Ouline Zao, le secrétaire général de l'UIT, et mes autres collègues fonctionnaires élus pour leur soutien. Je tiens également à remercier les fonctionnaires de l'UIT et plus particulièrement les personnels du BDT pour l'enthousiasme dont ils font preuve et pour les efforts acharnés qu'ils consentent dans le cadre de l'exécution du mandat de l'UITD. Je voudrais ici aussi rendre un vibrant hommage à tous les pionniers, je dis bien tous les pionniers qui ont travaillé à la création de l'UITD et un hommage très particulier à mes prédécesseurs qui font partie de ces pionniers. J'ai cité M. Arnaud Diwatampou qui est ici avec nous aujourd'hui. Levez-vous qu'on vous voit. M. Arnaud Diwatampou, levez-vous qu'on vous voit. Le premier directeur du BDT, M. Ahmed Laouyan, s'il vous plaît, levez-vous qu'on voit. Le deuxième directeur du BDT, Dr. Amadou Touré, levez-vous qu'on vous voit. Le troisième directeur du BDT, M. Sami Al-Bashir, levez-vous qu'on vous voit. Le quatrième directeur du BDT, je vous remercie d'avoir eu l'amabilité d'accepter mon invitation à vous joindre à nous ici pour fêter le 25e anniversaire. Distingués délégués, mesdames et messieurs, je suis convaincu que la CMDT sera mémorable. Le monde entier a les yeux rivés sur nous et nourrit l'espoir que de nos travaux ici, nous mettions à leur disposition des services de télécommunication de qualité afin de stimuler le développement. C'est là la quintessence du thème de cette conférence, à savoir les TIC au service des objectifs de développement durable. Je suis sûr que vous êtes aussi enthousiastes et exaltés que moi par cette conférence et par les immenses possibilités qu'elle offre à notre secteur. Notre rôle est très noble. Il s'agit de notre contribution collective aux objectifs de développement durable. Soyons tous au rendez-vous de l'histoire. Muchas gracias.